Comme ces voyageurs de commerce. Mais je fais des progrès. Vous êtes sûr que c'était des voyageurs de commerce? Oui, j'ai vu qu'ils trimbalaient des échantillons de dentelles et de jarretières. Croyez-moi, j'étais sûr de savoir où était la reine à chaque coup. Et ils m'ont eu de 20 dollars à ce jeu, et comme ça. Enfin, en partant, ils m'ont laissé leur carte pour que j'essaie. Vous serez peut-être un grand joueur? Eh bien, je vais m'y exercer avec les gars de chez moi jusqu'à ce que je rentre dans mes pertes. Mais peut-être que je peux regagner mon argent tout de suite. Oh, excusez-moi. Je vous parie 20 dollars que vous ne trouverez pas la reine. Tenez. Oh. Vous êtes un professionnel. Non, mais je vais le devenir. Vous, vous en êtes un. Je n'ai jamais vu personne manier des cartes avec cette perfection. Ouais. Enfin, vous êtes bien le premier qui ne se soit pas plaint de ce talent. Quel est votre nom? Mark Fallon. Et quel est le vôtre? Polly, c'est comme ça qu'on m'appelle, excepté ceux qui perdent leur argent. Vous ne me connaissiez pas, hein? Non. Ah, vous n'habitez donc pas dans la contrée? Non, New York. Est-ce qu'on joue gros jeu là-bas? Oui, assez gros. Il y avait toujours une partie en train à l'académie d'escrime de mon père, aussi loin que je me rappelle. J'ai fini par m'y intéresser, entre deux leçons. Mais vous avez l'air d'un honnête garçon, monsieur Fallon. Je ne vois pas pourquoi vous voulez vous lancer dans une vie comme celle-là. Je ne veux pas. Mais vous disiez tout à l'heure... J'ai de toutes autres idées au sujet du jeu, monsieur Polly. Je jouerai de façon correcte. Ah, ben c'est ça qui sera une nouveauté sur la rivière. Je vous souhaite bonne chance, mais vous allez vous heurter à une sérieuse concurrence. Voici une. Si j'étais vous, j'éviterais tout particulièrement monsieur F. Montagu Caldwell. Voilà! Vous là-bas, montez ces bagages à bord. Devons-nous suivre respectueusement sa trace? Bien sûr, puisque ces diamants éclairent notre route. Combien mettez-vous dans le commerce? J'ai 600 dollars. Vous avez de l'estomac, jeune homme. Hé, arrêtez donc vos chevaux! Oh! Il n'est pas trop tard, mon cher frère. Je gagne mon pari. Tu n'es qu'une enragée. Tu aurais pu nous tuer. Tu me dois un billet de 100 dollars et une bouteille de vin que tu boiras à ma santé. J'en ai besoin. Oh, ouais,
Merci. J'avais peur qu'il ne vous entraîne. Des chevaux de race comme ceux-ci se mènent doucement. Oh, vraiment? Eh bien, je mène des chevaux de race depuis des années et le mieux du monde. Et je vous assure que je me serais très bien passé de vous, monsieur. Je veux bien vous croire. Il arrive aux chevaux et aux jolies femmes d'être énervé par une sirène. Vos connaissances sont variées, il me semble. Je m'intéresse aux deux espèces. Ma sœur n'a aucune raison de discuter de ce qui vous intéresse. C'est ce que je vois. Elle mériterait qu'on trousse ses jupons pour lui donner la fessée. Son fouet a-t-il calmé ses chevaux? Avec les femmes, c'est différent. Vous ne les connaissez pas. 20 dollars contre 10 qu'elle se retourne. Ah, je vais regagner mon argent, peut-être bien. Vous avez de l'avenir. De la chance. Je croyais que vous aviez des as. Ça vous dérangerait, messieurs, que j'entre dans votre jeu? Certainement pas, ce sera un plaisir, monsieur. Plus on est de fous, plus on gagne d'argent. Excusez-moi. Je crois que vous trouverez les relances un peu fortes. C'est ce qui m'intéresse, justement. Peut-on avoir un nouveau jeu de cartes? Celui-ci ne vous plaît pas? Vous aimez peut-être perdre votre argent? Mais je préfère que les chances soient égales. Autrement dit, je triche. Monsieur, je vous en prie, si l'on doit accuser quelqu'un, c'est moi, monsieur. Quel est votre nom? Mark Fallon, monsieur Caldwell. J'avais demandé des cartes neuves à Valentin. Valentin! Oui, monsieur? Il les a posées sur la table lui-même et on s'est mis à jouer. C'est que quelquefois, les domestiques ne reconnaissent pas la qualité de ce qu'ils ont à servir. Trop aimable. Valentin, qu'est-ce qui vous prend de donner un jeu comme ça? Mais qu'est-ce qu'il a ce jeu? Ce monsieur a découvert qu'elles sont truquées, maquillées, des cartes pour bonne heure. Vous pouvez me croire, monsieur, je n'en savais rien, moi. Je me moque de toutes vos excuses. Si jamais je revois encore des cartes comme ça sur le bateau, j'irai me plaindre au capitaine. Apportez-nous donc des cartes neuves et cachetées, tout de suite. Oui, oui, monsieur. Une carte. Si. Eh bien, faisons l'unanimité, messieurs, une. Parole. $300. Plus $300. Je n'ai pas tout à fait assez sur moi, si ces messieurs veulent m'excuser, rien qu'un instant. Certainement, monsieur. Monsieur Fallon, voulez-vous signer un papier? Je ne joue pas l'argent que je n'ai pas, monsieur Duroux. Avec $600, on ne va pas loin, n'est-ce pas? Tout est raflé. Hein? J'ai un jeu gagnant, monsieur Polly. Nous faisons part à deux. $600 pour moi, c'est ça? Oui, monsieur. Plus $600. $900 et relance. $200. Pour voir.
Au revoir. Deux pays réparent les rois. Couleur, par la femme. Et un foule. Merci. Bonne nuit, monsieur. Mauvaise soirée pour moi. Je ne vous ai pas trop fait attendre. Pas du tout. Je vous dois 4 100. Vous êtes bien d'accord? Avec ça, vous êtes couvert. Je n'ai pas l'habitude de mentir. On l'estimait à plus de 7 000 $. C'est un bijou de famille, votre sœur. Ne vous souciez donc pas de savoir à qui il appartient. Est-ce qu'il règle ma dette? Oui, merci. Vous êtes nouveau venu sur la rivière. Oui, je commence à y trouver la vie intéressante. Vous ne penserez pas toujours ainsi. Si vous devez répéter cette performance. N'est-il pas permis de gagner? Il n'est pas permis de suspecter un autre joueur, ni le genre de carte dont il se sert. Ces messieurs ici ont un certain code de l'honneur. Comment écrivez-vous ce mot, Monsieur Caldwell? Ce n'est pas avec une plume qu'on vous répondra. Les eaux de notre Mississippi sont assez traîtresses, Monsieur Fallon. Bon nombre de malheureux sont tombés par-dessus bord de ce genre de bateau la nuit. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Dormez bien, monsieur. Monsieur Caldwell, vous pouvez dire à vos amis que je compte rester sur le Mississippi assez longtemps. Et quiconque apportera des cartes truquées à ma table s'exposera à être dénoncé, expulsé du jeu. Et quand ce genre de disgrâce frappe un individu, monsieur Caldwell, il n'attend pas qu'on le pousse par-dessus le bastingage. Il l'enjambe. Je vous souhaite une bonne nuit, monsieur. Je crois que nous sommes partis pour descendre dans le meilleur hôtel de la Nouvelle-Orléans. Si la chance continue. Combien de temps resterez-vous là-bas, Polly? 2 semaines. Et c'est la ruine. Comment ça? Le pharaon. Je ne peux pas m'empêcher d'y jouer, bien que je sache que c'est truqué. C'est terrible d'avoir un tel vice à mon âge. Excusez-moi. Bien sûr, j'ai fait ça aussi quand j'étais jeune. Mademoiselle Duro. Pardonnez-moi mon indiscrétion, mais je pense que votre frère a commis une fâcheuse erreur hier au soir. Ceci est bien à vous. Oui, monsieur. Je voulais vous rendre ce bijou. Qu'entendez-vous par fâcheuse erreur? J'avais gagné aux cartes. Il avait dû boire un peu trop, car je ne crois pas qu'il aurait choisi. Mon frère n'oserait pas prendre ce qui m'appartient sans ma permission. J'en suis convaincu. C'est un joli bijou. Vous devez y tenir. Monsieur Fallon, c'est bien votre nom, n'est-ce pas? Il n'est pas dans mes habitudes de parler aux étrangers. Et je n'accepterai pas qu'un joueur me fasse l'aumône, monsieur. Bonjour, petite sœurette. Laurent, comment as-tu osé me voler mon collier? Ton collier? Tu l'as donné à cet ignoble joueur, il vient de me le montrer. Je suis navré, chérie, il le fallait. Pourquoi? Je me suis laissé avoir hier au soir. Je suis tombé sur une bande de tricheurs. Ils m'ont pris tout mon argent et 4 000 $ en plus. Et tu choisis la chose que j'aime le plus de tout ce que je possède. Tu es un fou. Oui, tu es un fou. Est-ce que je pouvais deviner? Tout se passait bien lorsque ce Fallon est venu jouer avec ses cartes truquées. Pourquoi payer cette dette alors? Je n'avais pas preuve, il a demandé d'autres cartes. Je n'ai pas pu le prendre sur le fait. Une dette de jeu, c'est une dette d'honneur. Mais j'ai d'autres bijoux, d'autres colliers, des bagues. Pourquoi t'être laissé aller à prendre celui-ci précisément? Il était à maman, à grand-mère. Papa aura tant de chagrin. Pourquoi avoir fait ça? Je te demande pardon. Je suis ton frère, sœurette. Ce n'est pas moi qu'il faut blâmer, mais cet homme. Oh, je le déteste. Je le déteste depuis la minute où il a arrêté les chevaux. Moi aussi. Oh, Laurent, ce n'est pas cette querelle stupide qui nous brouillera. Rien jamais ne nous séparera. Rien. Jamais.
Bonjour, monsieur Polly. Ah, bonjour, mon garçon. Une petite partie, rien qu'une. Des ennuis d'argent? Ah, pour moi, il y a toujours toutes sortes d'ennuis. Monsieur Polly, vous rappelez-vous la fois où vous m'avez tiré d'affaire au Pharaon? Je peux vous rendre l'appareil. Regardez au fond du bar. C'est monsieur qui a battu Coldwell hier au soir. C'est un ami à vous? Fallon, oui. Vous ferez bien de lui dire de se barricader. Coldwell raconte qu'il aurait été plumé avec des cartes truquées. Il veut récupérer l'argent. Et il y a aussi un collier de diamants. Vous avez gagné. Au plaisir de vous revoir. Merci. Préparez vos affaires. Il faut filer. Hein? Coldwell a payé ses amis pour vous tuer et à ce jeu, il va nous battre. Mais nous saurons bien nous défendre. Ils sont beaucoup trop nombreux. Un couteau fait très peu de bruit et ces canailles savent s'en servir. Qu'allons-nous faire alors? Nager? C'est d'accord avec le capitaine qui va se rapprocher de la rive au troisième tournant de la rivière. Il veut pas de meurtre à son bord. Allons-y. Nouvelle-Orléans. Vous, fouillez les cales. Vous, la chaufferie et la salle des machines. Fouillez l'entrepont. Tribord, toutes. Pourvu que le capitaine nous mette assez près de la rive, cette heure pèse des tonnes, je ne pourrai jamais sauter. Je vais prendre votre sac. Sautez, Polly, sautez! J'ai cru que vous couliez. J'ai dû abandonner tous ces satanés sacs d'or. Comment? Eh oui, je m'en lisais dans toute cette boue. Vous vous êtes sauvé sous caution. Ouais,
Ça m'aura coûté plus cher d'aller à la Nouvelle-Orléans à pied que d'y aller en bateau. Oh, la teinte, la coupe, c'est magnifique. Attendez, voyons le gilet, monsieur. Quelle ville! Même dans le nom des rues, il y a une sorte de charme. Rue Carondelet, rue Royale, rue Saint-Charles. S'il vous plaît, monsieur. Et vous n'avez rien vu encore. Il y a les jardins, la place d'armes, le théâtre d'Orléans. Et maintenant, avec nos plus beaux habits, dînons chez Antoine ce soir. Oh, impeccable. Cela vous plaît, monsieur? Parfait. Je suis très content. Merci. Je vous retrouverai ce soir avec un appétit. J'ai l'intention de faire une bonne heure d'escrime si je trouve un partenaire. Vous voulez voir l'impasse au change, hein? Je rêvais déjà de la visiter, petit garçon, quand je m'entraînais au bâton. Mon père me parlait souvent des écoles d'ici, les meilleures en dehors de celles de Paris. Il l'appelait l'impasse des maîtres d'armes. Et Marc, je vous préviens que ça fourmille du même genre de type que ce Duro qui vous a donné le collier. Et il y a de belles créoles. Vous risquerez un duel chaque fois que vous ferez un clin d'œil. Je suis en pleine forme, mon cher. Monsieur, puis-je disposer de ces vieux habits? Mais pas du tout. Nettoyez-les, arrangez-les bien. Ce sont mes vêtements de travail. Touché. Un magnifique coup, monsieur Fallon. Il en faut pas mal pour vous égaler, monsieur. Monsieur Duro, messieurs. Bonjour, mon cher maître. Qui est ce jeune homme? Un certain monsieur Fallon de New York, je crois. Surprenant pour un homme du Nord. En effet. Touché! La même ligne basse encore. Félicitations, monsieur. Merci. J'apprécie un assaut avec vous, monsieur. Cette attaque en ligne basse, il me semble avoir déjà vu ça quelque part. Ce n'est pas fréquent. C'est un plaisir de taquiner le maître de temps en temps. Voyez-vous, vous avez battu son meilleur élève. Excusez-moi. Bonjour, monsieur Duro. Un bel assaut, Étienne. Merci, monsieur. Monsieur Fallon, permettez-moi de vous présenter à monsieur Edmond Duro. Très heureux, monsieur. Mes compliments, monsieur Fallon. Vous êtes très audacieux. Laissez la pointe venir si près avant de parer. Vous êtes bien aimable. Monsieur Duro est un sévère critique. J'ai rarement vu un sens aussi précis des distances. Voulez-vous faire assaut avec moi, quand vous serez reposé? Maintenant, si vous voulez. D'accord. Aucun de nous ne semble capable de prendre l'avantage. Je propose que nous terminions une autre fois et en privé pour laisser ces messieurs dans l'incertitude. Excellente idée. Bravo. 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 Merci. Ce sont vraiment des escrimeurs hors pair. Ils parleront de cet assaut pendant longtemps. Dieu merci, voilà un homme. Quand je vois ces freluquets qui portent le mouchoir dans leurs manches, qui se gargarisent d'honneur en faisant les pires saletés et qui tiennent une épée comme un parapluie, je ne crois pas que l'on puisse compter Étienne parmi ceux-ci. Oh non, c'est une remarquable exception. Qui vous a donné des leçons? Mon père. Fallon? Ah, c'est ça. Il professait à Paris. Oui.
il y a des années. Je disais au maître que je me rappelais cette ligne basse d'attaque. J'allais à l'académie de votre père très souvent. Il va bien, j'espère. Il est mort récemment à New York. Oh, je suis navré. Vous m'excuserez. J'en vois aussi un tout petit bambin qui trottinait au Luxembourg dans les allées avec sa nurse. Votre père vous adorait. Oui. J'aimerais bien vous avoir à la maison, Monsieur Fallon. Est-ce que Laurent Duro est votre fils? Oui. Vous le connaissez? Je l'ai rencontré avec votre fille sur le bateau. Ah oui. Je ne pense pas qu'il tienne à me revoir. Pourquoi? Je joue sur les bateaux. C'est ridicule. Un homme si habile au fleuret n'a pu passer beaucoup de temps à une table de jeu. Vous êtes resté longtemps sur la rivière? 5 jours. Ça explique tout. Disons donc, demain après-midi, 4 heures. Entendu. Suis-je assez élégante pour deux cavaliers aussi brillants que vous? Elle recherche les compliments. Oh, ce n'est pas vrai! C'est une robe qu'elle a achetée en solde dans un petit magasin de confection. Oh, que tu es méchant, Laurent! C'est un modèle d'un grand couturier. Ne l'écoutez pas, Lia. Vous êtes absolument ravissante. Merci, monsieur. Vous n'avez fait que lui dire ça depuis qu'elle a 5 ans. Pourquoi ne l'épouses-tu pas, Lia? Il est gai, charmant, et il danse bien. Son père a une grande banque. Et il me convient à la perfection, quand même. Vous voyez. Et je tolérerai même votre frère comme ami intime. Ah, tolérer. Quand m'épouserez-vous, Lia? Oh, dans bien des années. Non, c'est trop long. Mais je passerai toute la soirée avec vous et Laurent si vous m'amenez voir les Voodoo Dancers. Avec la plus grande joie. Oh, non! Monsieur Fallon. Monsieur Duro vous attend. Si monsieur veut passer au salon. Merci. Très heureux de vous voir, Monsieur Fallon. C'est moi qui suis charmé, monsieur. Asseyons-nous là-bas. Merci. Papa, nous allons chez Victor pour dîner et ensuite au Congo. Tu peux entrer, ma chérie. Je ne veux pas être mise en présence de ce monsieur. Angélique! Qu'espères-tu donc de moi, papa? Je savais très bien que les hommes pouvaient se permettre de fréquenter ces individus dans les salles de jeu, mais j'ignorais absolument que l'on pouvait les inviter chez soi et que l'on pouvait les présenter à la jeune fille de la maison. Angélique, je choisis toujours mes relations avec beaucoup de soin. Monsieur est sous notre toit, respecte-le. Je vous prie d'excuser l'incorrection de ma fille. Je crois qu'elle redoutait que je vous remette ceci. Son frère me l'a remis pour régler une dette. Après avoir vu ce portrait, je me doute de ce qu'il représente pour vous. Oui, en effet. Il a réglé une dette de jeu avec? De combien? 4 100 $. Je donnerai ordre à ma banque de créditer ce montant à votre nom. Je vous en prie, n'en faites rien. Ce n'est pas votre dette. Ce n'est qu'à cette condition que je le reprends. Asseyez-vous. Accepterez-vous un verre de Porto? Volontiers. Ma vie fut des plus agitées. Malheureusement, ma jeunesse désordonnée est en quelque sorte légendaire à la Nouvelle-Orléans. Mes enfants ont modelé leur vie sur ce que fut la mienne. Privé de leur mère depuis que Lia est née, je n'ai jamais su leur imposer une discipline.
La première fois que j'ai vu Mademoiselle Dureau, je lui ai dit que les chevaux de race se mènent avec douceur. Il m'a été impossible de placer un mot de plus. En venant ici, vous espériez revoir Angélique. Oui. Victor pour le dîner et ensuite au Congo. Écoutez, si nous invitions deux très très jolies femmes pour faire la tournée des grands-ducs, déjà, mon cher. Je vous emmène tout de suite. Oh, vous n'arrêtez pas de parler. Comment pouvez-vous rester indifférent? Olivia, nous l'avons vu plus de 100 fois. Mais enfin, ma chère, qui trouvez-vous donc? Je crains que vous ne le sachiez jamais. Où allons-nous? Chez Antoine? Chez Moreau? Chez Michel? Quels sont vos ordres? Où vous voudrez. Nous allons faire beaucoup de jaloux. Entre, papa.
Je suis heureuse que tu viennes en voiture avec Georges et moi. Est-ce que je suis un si agréable chaperon ou bien comptes-tu sur moi pour l'empêcher de demander ta main? Mais les deux, mon cher papa. Il veut annoncer nos fiançailles au bal ce soir. Il ne parle que de ça depuis qu'on l'a nommé président de la banque. Il jure de devenir sérieux, de travailler beaucoup parce qu'il m'adore, dit-il. Et ça ne t'intéresse pas? Oh non, ce n'est pas ça. Je me tue à lui dire que nous sommes trop jeunes pour penser à une chose aussi sérieuse. Son père a toujours espéré que vous vous marieriez. Est-ce que tu le souhaites? Je sais bien que ton choix sera le bon quand tu seras un peu moins jeune pour décider. N'est-ce pas plutôt que tu t'intéresses à Mark Fallon? À cet homme? Ah, certes, non! Comment peux-tu penser une telle chose? Son nom semble éveiller en toi plus d'émotion que d'autres. Oui, comme une épine quand on a le pied dessus. Tu l'appelles Mark? Je dîne avec lui souvent quand il est à la Nouvelle-Orléans. Il semble avoir réussi, il est populaire. Je ne veux plus en entendre parler. Pourquoi donc l'as-tu nommé, papa? Parce que... Je veux que tu portes ce bijou pour moi ce soir. Ta mère le mettait toujours quand je l'accompagnais au bal du gouverneur. Elle était si belle, Angélique. Je voudrais qu'elle puisse te voir ce soir. Oh, j'ai tellement honte. Pardonne-moi, papa. Je ne te l'ai pas dit, je savais que tu aurais de la peine. Laurent et moi, nous sommes indignes, nous faisons de ces choses. Je ne sais pourquoi. On pourrait croire que c'est dans notre sang. C'est une espèce de fièvre. Oui, c'est dans votre sang. Je n'ai rien à te pardonner, mon petit. Toi et Laurent, vous êtes vraiment des petits saints comparés à votre père. Voyons, mon enfant, qu'est-ce que le gouverneur pensera de moi si tu présentes ses deux yeux rougis à son Excellence? Edmond? Madame Lisanne. Dia. Puis-je annoncer nos fiançailles ce soir? Non, je vous en prie, pas ce soir. Excusez-moi. Je vous en prie. Angélique. Oh. Bonsoir, ma chérie. Mon bal a trouvé sa reine. Votre Excellence. Edmond, mon ami. Mon cher Paul. Georges. Bonsoir, Votre Excellence. Angélique, je vous présente mon très bon ami, Monsieur Fallon, Mademoiselle Duro. Monsieur? Nous nous connaissons déjà. Vous vous connaissez, c'est parfait. Marc, comment allez-vous? Très bien, monsieur, et vous? Marc, vous ne connaissez pas monsieur Elwood? Georges, monsieur Fallon. Monsieur Elwood, je suis ravi de vous connaître. Très heureux. Vous permettez, monsieur? Certainement, quiconque manque l'occasion de danser avec Angélique est coupable de trahison. Vous me flattez, Excellence. Lia, accordez-moi une autre danse. J'ai la quatrième. Non, c'est la mienne. Vous avez la cinquième. Où est Laurent? Il sable le champagne. Chasse à court dimanche. Voulez-vous être des nôtres? Oui, j'en serais ravie. Ah, Marc, je venais d'inviter Bonsoir. Angélique à une chasse à court dimanche. Vous joindrez-vous à nous? Ce serait une grande joie, monsieur, mais je dois prendre le bateau demain. Les affaires avant le plaisir? Mais pas ce soir. Mademoiselle Duro, accorderez-vous cette danse? Ah, mais c'est... Oh, n'ayez pas peur, mon petit. Ces dames disent que c'est un excellent danseur. Ah.
faut remercier le gouverneur. Vous croyez? J'aurais eu plaisir à vous refuser cette danse, croyez-moi. Oh, je sais. J'ai attendu l'instant propice. Ce collier est fait pour vous autant qu'il l'était pour votre mère. Je suis stupéfaite que vous ayez eu l'audace de le donner à mon père. Vous n'avez donc pas pu le vendre? C'est là vraiment ce que vous pensez? Bien sûr. Vous ne vous trompez pas. Votre père me l'a payé. J'aimerais bien vous poser une question avant de vous tirer ma révérence. Oui? Sachant quelle est l'opinion que j'ai de vous, pourquoi vous êtes-vous abaissé à me demander cette danse? Question de courtoisie. Quand un homme va demander à une femme de s'humilier elle-même, il semble normal qu'il s'humilie le premier. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous et moi, nous sommes amoureux l'un de l'autre. Et c'est pour toujours. Nous le savions dès la minute de notre rencontre à Saint-Louis. Mais vous n'êtes pas prête pour le mariage. Et je ne le serai que quand vous viendrez à moi. À votre présomption n'est égale que votre... Allons, laissons là les expressions toutes faites. Un couple n'est vraiment heureux que lorsque la femme vient à l'homme. Tu n'es pas content? Tu cherches à te tuer? Ou bien à m'envoyer à l'hôpital? C'est un bon exercice. Et ça fait dormir. Mais moi, je ne souffre pas d'insomnie. Oh, j'adore ce paysage. Parce que la rivière est belle d'ici. Tous ces bateaux qui passent comme de petits jouets, faisant jaillir de l'écume. Ça t'a rendu bien sentimental, tous ces petits bateaux. Où seraient-ce les passagers? Ne sois donc pas ridicule. Ce que j'admire, c'est le paysage. Tu viens le voir assez souvent. Georges était encore ici avec toi hier. Et pourquoi pas? C'est notre domaine. J'y bâtirai ma maison un jour. Toi? Mais qu'est-ce que tu as donc, Lia? Moi? Rien du tout. Pensez à ce que nous avons gagné? Non, je réfléchissais à tous ces billets que vous m'avez fait mettre dans cette banque, à des centaines de lieues d'ici, et que d'autres types vont tripoter. Je ne m'y habitue pas. Vous savez ce que nous allons faire quand nous serons riches? Quoi? Nous allons ouvrir un restaurant auquel on adjoindra une salle de jeu. L'établissement chic de la Nouvelle-Orléans. Riche et très élégant. Avec des verreries, des cristaux, tout ce qu'il faut pour attirer les femmes, qu'elles se sentent à l'aise en jouant. Quoi? Les femmes jouer? Où avez-vous pris pareille idée? Et où peuvent-elles aller quand leurs maris sont au jeu? Prendre le thé? Faire de la couture? Rester chez elles? Elles s'ennuient, Polly. Il leur faut les mêmes distractions que celles qu'ont leurs maris. Nous les leur donnons. Pas moi. Essayez toutes les folles idées que vous voudrez, mais vous ne ferez pas que je quitte la rivière. Enfin, vous pouvez toujours parler, mais je parie tout ce que vous voulez que vous allez courir à la minute où j'installe les tables de jeu. Moi, je les préfère sur un beau bateau. Il y a longtemps que vous faites la rivière? Il y a 30 ans. Avez-vous jamais souffert de vous sentir seul? Oui, quand j'étais jeune. Il m'arrivait bien souvent de souhaiter que toutes les jolies filles voyagent par bateau au lieu de se cacher dans leur maison. Les nuits entières, je restais là, à regarder les fenêtres éclairées, forgeant des rêves. Surtout quand les lumières venaient d'en haut. On attraperait un coup de lune par une nuit pareille. Ça ne vaut rien. Hein? N'étant que je rentre. Polly. Pas de mauvaise carte. Oh, ça, Marc, vous m'en avez guéri. Mais par moments, ça me démange dur d'empiler quelques gogos. On aura tout le temps demain matin. Le capitaine dit que nous ne toucherons pas la Nouvelle-Orléans avant 1h30. Parfait. Nous pourrons jouer au poker. Permettez-moi de me présenter, Monsieur Fallon. Mon nom est Julien Tenant. Très heureux. On m'a dit qu'on joue toujours un jeu très correct à votre table. Oui, c'est vrai. Alors j'aimerais prendre place si vous et ces messieurs veulent bien. Avec plaisir. Vous êtes la bienvenue.
Assiste, le jeu est meilleur. Merci. Ah, il va y avoir du sport cette fois. Tenue et plus 300. C'est bon pour moi. Vous traversez une période de malchance. Nous ne devons pas en tirer avantage sur vous. Ça peut changer demain. Merci. Mais je crois que ça a changé déjà. 500 de mieux. Suivi. Trop fort pour moi. Suivi. Je passe. Une carte. Je suis servi. Moi aussi. Parole. Plus 1000. Pour voir, je passe. Trois rois. Trois as. Puis-je vous poser une question, monsieur Fallon? Bien sûr. Vous saviez avant de voir que vos trois as étaient meilleurs que mon brelan? J'en étais sûr. Mais comment? J'ai remarqué que chaque fois que vous bluffiez, et alors seulement, vous passiez votre pouce sur la tranche de vos cartes. Messieurs. Entrez. Bonsoir, capitaine. Mademoiselle, j'ai une pénible mission à remplir auprès de vous. Votre frère. Julien, qu'y a-t-il? Il vient de se tuer. Où est-il? C'est inutile, mademoiselle Chanon. Il est préférable pour vous de rester là. Il n'y a plus rien à faire. Oh non. Non, ce n'est pas possible. Mais il n'a pas pu faire ça. Il n'y a aucune raison. Avez-vous l'adresse de parents ou de quelqu'un que nous pourrions prévenir? Nous n'avons pas de parents. Oh, je ne puis y croire. Julien n'a pas pu. Il transportait de l'argent pour sa firme. C'est sûrement quelqu'un qui l'a tué pour le voler. Ça ne peut être que ça. Non, il était plus avisé que ça. Il avait confié ses fonds au capitaine Evers pour les mettre au coffre. Je suis un ami du capitaine, mademoiselle. Mark Fallon, je voudrais pouvoir vous aider. Tout ce que je pourrais faire, ici ou à la Nouvelle-Orléans. Je vous suis très reconnaissant. Je ne connais personne là-bas. Si vous voulez signer ici, je vous prie, mademoiselle. Pour monsieur Tenant, Anne Tenant. Je suis vraiment navré de vous avoir fait venir dans un moment pareil. Je voulais aller à l'hôtel, mais la banque devait certifier que votre... Enfin, que la firme avait levé l'option à temps. Je comprends, monsieur. Voulez-vous compter? Monsieur, voulez-vous vérifier les contrats et enregistrer le dépôt, je vous prie? Oui. George. Bonjour, Laurent. Je suis à vous dès que j'ai fini cette affaire. Qui est donc avec Fallon? Mademoiselle Tenant. Anne Tenant. Elle est magnifique. Oui, c'est bien mon avis. Présentez-moi à elle.
Ça ne me paraît guère le moment, Laurent. Elle vient de perdre son frère. On l'a enterré ce matin. Oh, je suis peiné de l'apprendre. Je n'avais jamais vu une femme aussi belle. Je vous en prie, Georges. Il faut que je lui parle. C'est bien. Tout est en ordre. Merci. Merci encore. Et toutes mes excuses, Monsieur Fallon. Au revoir. Mademoiselle Tenant, puis-je vous présenter mon ami Laurent Dureau? Je suis ravie. Mademoiselle Tenant, Monsieur Fallon. Monsieur Dureau, vous excuserez Mademoiselle Tenant, elle doit regagner son hôtel. Permettez-moi du moins de vous exprimer toute ma sympathie. S'il y a la moindre chose que je puisse faire pour vous, disposez de moi. Je vous remercie. Polly! Ah, tout va très bien, mademoiselle. J'ai parlé au directeur et il m'a promis d'avoir une chambre pour vous avant 1 heure. J'ai pensé peut-être que vous pourriez déjeuner ici tranquillement. Merci. Vous avez été si gentil avec moi. Vous ne savez pas combien votre aide me touche. Oh, ce n'est rien. Vous êtes tellement sympathique. Anne, Polly et moi, nous partons vers le nord dans 8 jours. Si cela vous dit de rentrer chez vous en même temps. C'est que je n'ai plus aucune raison de retourner à Springfield maintenant. Nous n'habitions là-bas qu'à cause du travail de Julien. J'aimerais mieux vivre ici, si je trouvais un appartement. C'est une si jolie ville. C'est vrai, vous seriez heureuse ici. Vous pourriez vous y faire d'excellentes relations. Vous restez? Je reste. Très bien. Nous vous chercherons un appartement dès demain. Vous absentez-vous pour très longtemps? Non, nous serons bientôt de retour. Vous êtes une très belle jeune fille, Anne. À partir du moment où vous paraîtrez en public, vous serez tellement prise que vous n'aurez plus le temps de penser à nous. Non, je penserai à vous toute ma vie. Mademoiselle Tenant, Monsieur Polly m'a dit qu'elle serait là. Merci. Merci, monsieur. Oh, elles sont ravissantes. Laurent Dureau. Oh, ce monsieur à la banque. C'est gentil de sa part. Buvons à votre première relation. Vous vous servez de vous. Vous mentez! Mais quoi, vous n'allez pas le tuer avant la relance? Fichez-moi le camp d'ici. Ben, vous avez raison, Marc. Une honnête partie, c'est plus passionnant qu'une autre. Des camélias pour mademoiselle, de la part de Monsieur Dureau, avec ses compliments. Merci. Oh, ils sont merveilleux. Chaque jour m'apporte une fleur nouvelle. Mon appartement est un jardin. Chaque jour, je passe devant votre seuil, contemplant vos fenêtres, attendant le moment où vous allez paraître. Qui est cette jolie fille avec Laurent? On ne sait pas du tout. Je vais me renseigner. As-tu déjà vu Laurent quand il est jaloux? Non. Je ne demanderai pas à être présenté maintenant. Il en est complètement toqué. Pas de présentation, hein? Pas de présentation. Aimez-vous l'opéra? Oh, je n'y suis jamais allée. Réellement? Alors j'ai une proposition à vous faire pour samedi. Julia Calvé va chanter au théâtre d'Orléans. Oh, je regrette. J'aurais aimé l'entendre, mais je ne suis pas libre. Monsieur Fallon et Monsieur Polly doivent rentrer et je vais les attendre au bateau. Venez, je comptais tellement sur vous. Ce sera pour une autre fois. Venez, je vous en prie. Quelle journée radieuse! Je flânerai ainsi toute la vie. Vous aviez raison, c'est vrai. À quel sujet? Vous disiez que je trouverais le bonheur ici. J'aime le moindre coin dans cette ville, ses anciennes demeures, la forme de ses toits, ses fers forgés qui, aux courbes des balcons, s'entrelacent. On a envie de vivre dans chacune de ces vieilles maisons et de connaître tous les êtres qui s'abritèrent derrière ces vieux murs. Vous êtes né pour faire de l'histoire ou pour fonder un foyer?
Je saurais bien mieux fonder un foyer. La sœur de Laurent, Angélique Durand. Oh, elle a la douceur de son nom. Il me tarde de la connaître. La connaître? Oui, ainsi que son père. Laurent m'a invité à venir chez lui. Ça vous contrarie? Vous verrez un vrai gentilhomme. Qu'est-ce qui ne va pas, Marc? Nerveux? Je suis soucieux, à cause d'Anne. Vous avez peur de ses sentiments pour vous? Elle a assez souffert dans la vie. À ce petit jeu, vous serez sûrement battu. Si on regarde trop de fenêtres éclairées, c'est mauvais. Si on n'en regarde qu'une, c'est mauvais aussi. Laurent! Mais nous n'avions pas de rendez-vous. Il fallait que je vous voie, Anne. Je ne pouvais vivre loin de vous un jour de plus. Toutes les formalités pour vous présenter à ma famille... Les formalités? Me voyons. Il ne s'agit que d'une simple visite. Non. Car je veux vous épouser. Je vous aime, Anne. Je ne pouvais plus attendre pour vous le dire. Oh, mais il faut être bien sûr de ce que vous me dites. Vous me connaissez depuis si peu de temps. Le temps ne mesure pas l'amour. Vous êtes devenue toute ma vie depuis la minute où je vous ai vue. Je n'avais jamais aimé avant. J'ignorais que ce pouvait être aussi merveilleux et aussi terrible. Je vous adresse une prière, Anne. Voulez-vous m'épouser? Répondez, Anne. Oh, je suis désolée, Laurent. Votre demande me touche profondément. Non, non, ne me repoussez pas. Je vous en prie. J'attendrai si c'est nécessaire. Quand vous me connaîtrez mieux, vous me répondrez. Non, non, je dois répondre maintenant. Je n'ai pas le droit de vous laisser espérer. Je ne pourrai jamais vous aimer. Parce que vous aimez quelqu'un d'autre. Oui, j'aime. Fallon, n'est-ce pas? Oui. Vous gaspillez votre amour avec un homme comme lui. Donnez-le au moins à quelqu'un qui soit digne de vous, Anne. Je vous en prie. Il vous dupe aussi. Il dupe tout le monde. Vous a-t-il dit qu'il était amoureux de ma sœur? Angélique. Il est amoureux d'elle depuis qu'il est arrivé ici. Et c'est lui, justement, que vous avez choisi. Oh. Mais l'amour n'exige pas la réciprocité. Ne veux-tu pas dîner avec nous? Ah, je ne dîne pas. Pierre, qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas, mais il a sûrement trop bu. Je vais chercher sa voiture. Je vais le ramener chez lui. Bonsoir, monsieur Fallon. Combien de femmes vous faut-il dans votre harem, Fallon? Ça ne vous suffit donc pas d'essayer d'avoir ma sœur? Monsieur Durand. Fichez-moi le camp! Vous voulez monter Anne contre moi? Vous n'y arriverez pas. Vous la voulez pour vous seul dans cet appartement que vous lui avez choisi, hein? Vous êtes ivre, Durand. Vous n'avez pas tout votre bon sens. On se verra sur le terrain. Laurent, je t'en prie. Si vous pouvez quitter vos femmes un moment,
Quand vous le voudrez. Nos témoins régleront tout ça. Allons, viens. Monsieur Fallon, je... Imbécile! Tu n'es pas de taille à te mesurer avec lui dans un duel. Étienne m'a dit... Je suis bien plus fort que vous tous. C'est vrai, mais c'est un... Tout est ma faute. Laissez-moi lui parler. Vous n'avez rien à voir dans cette histoire. Il y a très longtemps que tout cela devait arriver. Oh, voyons, qu'est-ce que ça signifie, Marc? Mais c'est couru d'avance. Vous êtes sûr de gagner. Un testament nous laissant ses biens à vous et à moi. C'est ridicule. Vous craignez qu'il n'arrive quelque chose? Je veux que vous soyez mon premier témoin, Polly. Demandez à votre bon ami Bosner d'être le deuxième. Vous feriez une drôle de tête, avouez-le, si vous ne pouviez pas parier, hein? Monsieur Fallon? Entrez. Je suis Pierre Lanier, monsieur André Briand. Nous sommes les témoins de monsieur Laurent Dureau. Mademoiselle Tenant, monsieur Polly. Vous pouvez parler librement. Quand pouvons-nous voir vos témoins, monsieur, pour organiser... Renonçons aux formalités. Disons donc demain matin à 6 heures. C'est parfait. Comme vous êtes l'offensé, vous avez le choix des armes, monsieur. Le pistolet. Monsieur. Le pistolet. Mais Marc, vous êtes fou. Craignez rien. Entrez. Est-ce que vous allez tuer Laurent? C'est peut-être lui qui me tuera. Exigez-vous que je renonce à ce duel? Non. Êtes-vous aussi adroit au pistolet que vous l'êtes à l'épée? Il s'en faut. Angélique, venez-vous me voir ce soir de crainte de ne me revoir jamais plus? Je suis venue vous remercier au nom de ma famille de ne pas profiter de l'avantage que vous auriez pu prendre sur Laurent. Mais vous ne sauriez pas que j'avais moins d'avantages au pistolet si je ne l'avais dit. Angélique. Angélique, quand allez-vous enfin admettre que vous ne vous servez de votre frère que comme bouclier? Que votre affection pour lui cache votre peur de la vie et des hommes? Car votre mère est morte en vous donnant le jour. Vous débordez de vitalité. Vous avez tellement soif de vivre. Oh, j'espère qu'il vous tuera. Prenez vos places, messieurs. Que chacun avance de 10 pas. Partez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je compte jusqu'à 3. Quand je dirai 3, tournez-vous et faites feu. Êtes-vous prêts, messieurs? 1. Vous pouvez tirer, monsieur Fallon. Vous
J'ai demandé Laurent. Laurent m'a tout raconté. J'ai le droit de rester. Laurent, fais tes bagages et quitte cette maison dans le plus bref délai. Papa, tu n'exigeras pas cela. Laurent. Tu veux le chasser quand il a le plus besoin de toi? Tu n'as pas le droit de faire ça. Désormais, toute la ville sera contre lui. Laisseras-tu donc George Elwood être le seul à le défendre et pas toi, son propre père? Je n'ai rien d'autre à ajouter. S'il s'en va, je pars avec lui. Cette maison va être triste sans toi, Angélique. Qu'y a-t-il, Lia? Oh, George, bientôt nous aurons perdu nos derniers amis. J'ai encore refusé des invitations, on ne veut plus recevoir Laurent. Bien, il faut continuer, ça supprime les corvées. Gardez la tête haute, Lia, toujours plus haute. J'aime quand vous entrez dans les restaurants avec Laurent et moi, comme une reine, méprisant les affronts qu'il subit. Vous êtes admirable. Vous et votre mère l'avez été aussi. Les cartes de faire-part sont là. Oh, montrez-moi. Mariage de mademoiselle Angélique Dureau avec monsieur George Elwood. Quel joli prénom à cette jeune fille. N'épouserait-elle pas ce garçon parce qu'elle s'y est habituée, en vivant près de lui? Parce qu'il s'est dévoué à elle toute sa vie. Qu'il est le plus cher, le plus délicat des amis. Y aurait-il pas aussi un peu d'amour caché dans tout cela? Nous saurons le découvrir. Je vous adore. Je pouvais me contenter de t'envoyer une simple invitation. Ma chère enfant. Je ne pourrai jamais aller à l'hôtel si ce n'est à ton bras. Voudras-tu m'y conduire, père? Bien sûr. Et si tu te trompais, Lia? En te priant de venir? Si tu te trompais dans ton choix? Oh, père, je suis sûre de moi. Comment peux-tu me poser cette question? Tu sais bien que depuis notre enfance, nous nous promettons le mariage. Nos deux familles l'espèrent. Tout le monde à la Nouvelle-Orléans dit que ce sera une union parfaite. Tout cela est très vrai. Mais est-ce que tu l'aimes? Oui. J'en ai reçu une aussi. Vous l'aimez, Marc? Oui. Alors empêchez ça. Rejoignez-la. Est-ce que vous croyez vraiment qu'elle se connaît assez elle-même pour trouver le bonheur dans le mariage avec qui que ce soit? Non. Mais j'avais espéré. Thank you.
Très chers frères, nous sommes tous ici rassemblés sous le regard de Dieu et à la face des hommes pour unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage. C'est au nom de la très sainte religion que ces deux jeunes gens vont être bénis. Que celui qui aurait une raison valable de s'opposer à cette union se prononce maintenant ou se taise à jamais. Je vous rappelle au nom du Seigneur que vous devrez répondre de tous vos actes au jour du jugement dernier, quand les secrets de toutes les âmes seront mis à nu, afin que vous viviez unis dans cette vie et que dans l'autre monde, vous ayez enfin droit à la vie éternelle. Amen. Oh, Laurent. Merci. Toutes mes félicitations, Georges. Merci. Angélique, tu es gentille. Ma chérie, je te souhaite beaucoup de bonheur. Toutes mes félicitations, Angélique. Je te souhaite tout le bonheur possible. Mes félicitations, Georges. Comme je t'en prie, j'espère que ce sera bien. Je veux qu'on élargisse cette arche d'environ 4 pieds. Il faut que l'on découvre toute la salle de jeu de tous les coins du restaurant. Et s'il y a de l'animation parce qu'un joueur gagne, je veux que tous les dîneurs puissent en profiter. Mangez moins et jouez. Il faut que je double l'arche. Bien, bien. Je serai sur la rivière presque tout le temps. Mademoiselle Tenant a bien voulu se charger de diriger la décoration. Choix des matériaux, ameublement, tout enfin. Mais ce sera avec grand plaisir. Mon personnel au complet est à votre service. Alors, vous ne voulez pas m'aider, Polly ? Non, pas moi. Comme m'en dites, mais je ne veux pas porter ces espèces de queues de vache pour chasser les mouches que vous appelez des habits de soirée. J'y réfléchirais à deux fois si j'étais vous. Vous pourriez jouer au pharaon à vos propres tables tous les jours sans jamais perdre un sou. Où installer le pharaon? Je vais vous montrer et vous vous entraînerez. C'est un complot. Je crois qu'une grande baie fera très bon effet. J'aurais bien voulu que vous restiez avec nous. Moi aussi. Nous avons dépensé beaucoup d'argent et je n'ai pas encore assez de fonds pour tenir la banque s'il y avait une grosse perte. On pourrait faire appel à Polly. L'idée du pharaon l'a presque décidée. Lia ! Lia ! Angélique ne parle plus du tout de son frère. Est-ce que quelqu'un sait où Laurent est parti ? Non, je ne sais pas du tout. Non, je ne sais pas, il y a dû se... Lia ! Nous allons être en retard ! Encore une minute ! C'est le plus sûr moyen de faire une entrée remarquée. Avec nos robes de Paris, nous aurons un triomphe. Où es-tu donc, Lia? Quelle question où je suis? Je suis là. Non. Où es-tu? Chaque fois que je te prends dans mes bras, j'ai l'impression que tu es à 100 lieues de moi. Je crois étreindre une ombre, tu m'échappes sans cesse. Tu es sans élan, sans chaleur. Georges, comment oses-tu dire ça? Serre-moi fort dans tes bras pour te convaincre que je suis là. Et puis nous ne sommes jamais seuls, tous les deux. Depuis que nous sommes mariés, ce ne sont que réceptions et sorties. Toujours des intrus. Je t'aime, Lia, mais tu es si loin. Que se passe-t-il? Vraiment, je ne te comprends pas, Georges. Quand Laurent a disparu, j'ai eu très peur. Mais c'est fini maintenant. Je t'aime, Georges. J'ai essayé de te rendre heureux et fier de moi. Dis-moi que je n'ai pas échoué à ce point. Oh, pourquoi t'ai-je dit tout cela? Je ne sais pas ce que j'ai. J'exige trop de toi, sans doute. Je veux te sentir près de moi. Georges! Lia! Venez! Fallon ne gagne pas seulement au jeu, avec une maîtresse aussi jolie. C'est un mensonge, Garnier. Mademoiselle Tenant est honnête. Fallon est un garçon d'une parfaite intégrité. Je vous somme de rétracter cette infamie. Ne soyez pas naïf, Duro. Un homme n'entretient pas une femme pour des motifs platoniques et il ne lui laisse pas diriger un palace. Je ne rétracte rien. Je vous enverrai mes témoins cet après-midi. Comme il vous plaira.
J'aurais bien aimé faire tout le trajet. Oui. Un beau voyage. Et Marc a su lui donner tant d'attrait. Comment Fallon appelle-t-il son palace? La Louisiane. Ça vaudra la peine de faire le voyage pour aller le voir. Vous le connaissez? Je ne l'ai jamais vu. Appelez un docteur. Bonne chance pour la Louisiane. Je vous reverrai à l'ouverture. Au revoir, Marc. Bonjour, Polly. Vous m'avez manqué, j'allais... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai de mauvaises nouvelles pour vous, Marc. Quoi donc? On vous a insulté, Anne et vous, devant Monsieur Duro, et il a pris votre défense. Il n'est plus aussi adroit à l'épée qu'autrefois. Il est blessé. Marc, venez, asseyez-vous. Reste avec nous, Angélique. Merci d'avoir pris la défense de Mademoiselle Tenant. Mais vous n'auriez pas dû vous battre. Je n'ai jamais laissé insulter une femme, Marc. Peut-être est-ce pourquoi mes duels ont été si nombreux. Allons, guérissez-vous vite. Vous m'avez promis de venir à l'ouverture de la Louisiane. Non, je n'irai pas, Marc. Je ne regrette rien. J'ai eu une belle vie. Et maintenant que j'ai perdu ma sûreté de main, il me semble que cette époque consacrée à l'épée se meurt avec moi. Un jour... Vous m'avez dit qu'aucune ombre ne devait surgir entre nous. Oui. J'ai un devoir à remplir. Un pénible devoir. Il s'agit de... Laurent. Il est monté sur le bateau à Memphis, armé d'un couteau. Je ne l'ai pas reconnu tout d'abord, il n'était pas rasé. Tout s'est passé si vite. J'étais sans armes. J'ai essayé de me défendre. Dans la lutte, il est tombé sur son couteau. Malheureusement, il n'y avait plus rien à faire. Merci de me l'avoir dit. Vous n'êtes pas responsable, mon pauvre ami. Faites-moi une promesse. Ce que vous voudrez. Protégez Angélique. Toujours. Vous avez ma parole. Angélique. À un moment, j'ai cru que la chance nous favoriserait. Mais il me semble qu'il ne m'appartienne que de détruire tout ce que vous aimez. Peut-être en avez-vous eu l'intuition. Je ne vous importunerai plus.
touché. Marc. Ah, Sanford. Ah, votre attaque en ligne basse est toujours parfaite. Merci pour cet assaut, maître. C'était un plaisir. Merci. Eh bien, vous en faites une tête. Marc, votre compte est bien à la banque de George Elwood, n'est-ce pas? Oui. Nous venions vous dire de tout retirer dès demain. C'est ce que nous allons faire. Pourquoi? Elwood néglige la banque depuis des mois et il jette l'argent par les fenêtres. Il a fait venir des meubles de Paris. Oui, et tous les diamants l'angélique. Et alors, qu'est-ce que ces dépenses ont à voir avec la banque? Il a une fortune personnelle. Il n'est pas riche à ce point. Messieurs, je puis vous prédire une chose. Si vous retirez vos fonds de la plus grosse banque de cet état, ce sera la panique. Mais nous en sommes bien convaincus, Marc. Nous venons de recevoir cette note confidentielle. Lisez-la. Angélique a fait virer tous ses comptes ce matin. Pourquoi? Son père a été client de la Banque fédérale toute sa vie. Enfin, il n'y a rien de plus naturel que ça. Une femme qui place son argent à la banque de son mari. Autrement, ça provoque des discussions de famille. Elmer, quatre grands verres pour calmer ces trois éminents financiers. Écoutez-moi. Non seulement je vais lui laisser mon argent, mais encore je serai le premier demain à la banque pour voir si vous retirez le vôtre. Comme vous voudrez, mais vous le regretterez. Je regrette, monsieur. Monsieur et madame sont en train de dîner, on ne peut pas les déranger. Je vous en prie! Monsieur! Ne vous a-t-on pas dit que je ne suis là pour personne? Excusez-moi, monsieur. Ça ne fait rien, Benjamin. Fermez la porte. Bien, monsieur. Je crois la chose assez importante pour prendre cette liberté. John Sanford, Hewitt et Allen Kitt m'ont dit qu'ils retiraient leurs fonds de chez vous dès demain matin. Est-ce que votre banque pourra y faire face? La situation est excellente. Vous pouvez retirer les vôtres également. Vous n'auriez pas dû virer l'avoir de Madame Elwood à la banque. Cela fait parler. Monsieur Fallon, mon mari n'y est absolument pour rien. J'ai fait virer mon compte seulement parce qu'il m'a plu de le faire. John Sanford et ses amis sont chez vous dès l'ouverture. Il faut vous attendre à une très grande affluence. Si vous avez encore des suggestions à me soumettre, venez me voir à la banque aux heures ouvrables. Vous aviez promis à ma femme de ne plus jamais l'importuner. J'ai aussi fait une promesse à son père. George, crois-tu qu'il y a danger? Oh, certainement pas. Mais pourquoi m'as-tu fait transférer mon compte? Aurais-tu plus confiance en Fallon qu'en moi? Les retraits dépassent nettement le montant des dépôts. C'est inquiétant, monsieur Elwood. Pas le moins du monde. Tout se passe comme je l'avais prévu. Ah, monsieur Galbraith. George. Asseyez-vous donc, monsieur. Merci. Une journée bien chargée. Oui, vraiment. La chambre syndicale a suivi de très près la façon dont ces rumeurs se sont propagées, non, George. Vous n'allez pas me dire. Comprenez-moi bien, elles sont sans fondement. La solidité de la banque est hors de question. Mais une panique pourrait éclater et rejaillir sur les autres banques. Oui, c'est bien possible. Il faut arrêter ça, net. Nous vous enverrons un expert demain matin pour qu'il examine les livres. Il publiera un rapport officiel qui rassurera le public. Vous ne croyez pas que c'est mieux? Oui, excellente idée. Bon. Alors, à demain. Au revoir, monsieur. Le président George Elwood disparaît. 200 000 dollars manquent dans la caisse. À la Nouvelle-Orléans, la foule envahit une banque qui avait dû cesser ses paiements. George Elwood, président de la Gulf City Bank, demeure toujours introuvable. Eh bien, il faudra le chercher longtemps. Oui, j'aime encore mieux le pharaon. Du moins, on s'amuse en perdant. Je regrette de vous avoir entraîné dans cette histoire, Polly. Mais voulez-vous bien vous taire? Vous aviez encore l'argent hier matin. Tout serait bien passé si cet idiot n'avait pas levé le pied. Ce n'est rien, Marc. Je me sens mieux, vraiment. Avoir un compte en banque, ça me rend nerveux.
Vous vous êtes donné tant de mal. Si seulement une de ces magnifiques tentures était là, que je puisse au moins l'admirer. Oui, et cette fameuse table de Pharaon? Nous aurons tout cela un jour. Rattrapons cela tout de suite. Avez-vous un nouveau jeu de cartes? Quoi? Vous voudriez que... Mais j'en ai des douzaines des jeux. Et il y a un bateau à 9h ce soir. Toujours au courant des départs, hein? Le bruit des machines me manquait. À moi aussi. Ah, je vais retenir les places. À tout à l'heure, Anne. Anne, ça me contrarie de vous laisser seule après vous avoir fait participer à tous nos projets. J'en suis sûre, Marc. Ce n'était sans doute pas notre destin. Je vous suis reconnaissante de tout ce que vous avez fait. Mais je n'ai aucun droit sur votre vie, je l'ai compris un peu tard. Mais même si cette belle maison avait été finie, elle ne vous aurait pas retenu ici. Mais si vous vouliez bien qu'on se revoie quelquefois, je voudrais tellement être sûre que vous avez trouvé enfin le bonheur. Vous êtes admirable. Vous signerez l'acte de vente ici, Angélique. Vos successeurs ne sont pas pressés de s'installer, vous pourrez partir à votre convenance. Et dès la semaine prochaine. C'est avec plaisir que je vous vois quitter cette maison, Angélique. Cela termine un triste chapitre de votre vie. Vous allez sans doute retourner chez vous. Je ne sais pas. Vous n'y êtes pas allée depuis que votre père est mort. Je crois qu'il aurait aimé à vous y voir vivre. Enfin, vous aviserez. Oui. Merci, monsieur. Au revoir, mon petit. Capitaine. Oh, monsieur Fallon. Je crois pouvoir dire sans me tromper que vous revenez sur la rivière. En effet, vous ne vous trompez pas. Parfait, vous rendez ces voyages si attrayants, si intéressants pour nous tous. Intéressant pour moi, surtout. Vous avez des nouvelles de Lia? Est-ce que tout va bien? Oui. Et cette fois, je crois qu'il faut intervenir, Marc. Son mari est mort en tombant de cheval. Elle est libre. Vous aviez promis à son père de toujours veiller sur elle. Qu'attendez-vous, Marc? Essayez de la voir. Non, ça n'arrangerait rien. C'est beaucoup mieux ainsi. Il n'existe donc pas un homme qui puisse gagner sur tous les tableaux. Allez-vous enfin admettre que vous ne vous servez de votre frère que comme bouclier? Que votre affection pour lui cache votre peur de la vie et des hommes? Car votre mère est morte en vous donnant le jour. Vous et moi, nous sommes amoureux l'un de l'autre. Et c'est pour toujours.
ouvriers. Marquez les abats. En arrière, tout le monde. Où que vous allez. I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm growling. Like a cop in a cage, I can't cope with this hopelessness. Though I try to be open and go with it, but I'm soaking in the pain like the rain never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head. I just can't, I just I fucking hope you can't see me. Cause I've been living inside of you. But I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see me. Cause I've been living inside of you. But I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. What you working like this? You be fine, trust me, just in time we get along. No, leave me alone. Why, yes, can you see that you are alone, big? We now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you whom I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, ain't nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. Like when they know Jesus up. There's no fucking heaven that they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust, yeah. God damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. And you forgot what your father said. Are you serious? Look at yourself, big. You fucking idiot. Set me free. And there's nothing that you can do.